Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dark260 pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui une vidéo d'avis et de mécontentement sur toutes ces polémiques qui polluent le jeu vidéo actuellement. On va voir que c'est pas neuf mais que ça prend de l'ampleur aujourd'hui. Allez, on se retrouve tout de suite. Bonjour à tous et donc bienvenue sur cette vidéo. Avant de se lancer dans le vif du sujet, petit rappel, n'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce, d'activer les notifications. N'hésitez pas à laisser un commentaire et votre avis sur cette vidéo, le tout en respectant les autres. Allez, c'est parti donc pour cette vidéo sur les polémiques autour du jeu vidéo. Vous allez voir, c'est pas nouveau, mais aujourd'hui ça prend énormément d'ampleur. Et en partie, ben, je pense que c'est dû au wokisme. Donc, les polémiques, comme je vous ai dit, c'est pas nouveau. Il y en a toujours eu, que ce soit au niveau des scénarios, au niveau de l'ultra-violence des jeux interdits à travers le monde. Il y en a déjà eu pas mal. Je vous en fais défiler quelques-uns, hein, des jeux qui ont été interdits à gauche ou à droite pour ultra-violence, parce que le thème qui était proposé était franchement plus que scabreux pour certains jeux. Et encore aujourd'hui, il y a un jour ou deux, on a appris par exemple que le prochain Call of allait être interdit, était interdit au Koweït. C'est sans doute dû au scénario du jeu. Donc voilà, des polémiques, ça a toujours existé dans le jeu vidéo comme dans tous les médias. Mais aujourd'hui, ça prend énormément d'ampleur. Alors, mettons les choses à plat directement. Personnellement, que je joue un personnage masculin, féminin, trans, un chat, un chien, un blanc, un noir, ou que sais-je d'autre, je m'en fous royalement du moment que le personnage colle à l'univers et au lore du jeu. Alors, au niveau des polémiques, ces derniers temps, on est franchement servi. Prenons l'exemple de Stellar Blade, un jeu où il y a eu une polémique autour du personnage principal de Eve, parce que elle est trop sexuée, les tenues sont trop déshabillées, Chic et Chac, la dernière ou une mise à jour qui va arriver prochainement, le studio a encore augmenté le réalisme au niveau de la façon de laquelle le personnage bouge et le corps réagit, ce qui est très bien. Ah ben non, ça gêne certains, il aurait fallu sans doute que le personnage soit moche. Alors, si on revient à Stellar Blade, on sait qu'ils se sont énormément inspirés, ils ne s'en cachent pas, de Nier Automata. Étrangement, Nier Automata n'a pas posé de problème. En tout cas, je n'ai pas souvenance d'avoir connu le jeu grâce à ça. Pourtant, il y avait même dans Nier Automata un trophée qui se débloquait en regardant sous la jupe de Toubi en cours de jeu. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est terminé, c'est interdit parce que ça gêne une minorité. On préfère nous imposer des personnages qui sont moches, quitte à en les dire les acteurs qui ont prêté leur trait aux personnages, comme dans le dernier Star Wars, où l'actrice est jolie et où le personnage est, disons-le franchement, moche. Alors que on me fasse jouer un personnage moche, ok, pourquoi pas, hein, mais quand même, je préfère jouer un personnage qui soit beau. Hein, généralement, quand je suis dans un jeu, c'est pas pour y passer 2 ou 3 heures. Non, je vais y passer de nombreuses heures et je veux que le jeu soit plaisant, que le personnage soit plaisant à jouer. Alors que on
me propose dans un jeu un discours, ça ne me dérange pas. Si je prends Final Fantasy VII, qui nous parle clairement d'idéologie écologiste, ça ne me dérange absolument pas. Ça colle au jeu, ça colle au lore. Tout a été fait de façon à ce que tout colle ensemble. Mais où ça me dérange, c'est quand on m'impose quelque chose et qu'en plus, ce n'est même pas fait de manière subtile, ça y va au forceps, hein. On essaye de m'imposer cette vision. Pourquoi vouloir m'imposer cette vision? Alors personnellement, quand je joue à un jeu, je ne m'identifie pas au personnage. On va dire de manière, hein, comme certains pourraient le faire, je ne fais pas du roleplay. Je me fous, comme je vous ai dit, de jouer un homme ou une femme. Du moment que le personnage, ben, il est charismatique, que ce qu'on me propose colle au jeu ou qu'il y a une raison de me proposer ce personnage, son attirance et que sais-je d'autre. Si dans Cyberpunk 2077 on me propose un personnage transgenre, pourquoi pas, ça colle au jeu, ça colle à la période où le jeu se déroule, l'univers où ça se déroule. Par contre, m'imposer par exemple ce type de personnage dans un autre jeu, ben oui, ça va peut-être me déranger, si ce n'est pas amené, si on ne m'amène pas une raison. Qu'on me propose de jouer un personnage féminin homosexuel, ok, mais pourquoi ce personnage est homosexuel? Y a-t-il une raison? A-t-elle souffert de quelque chose dans le passé? Voilà, ça, oui, pourquoi pas? Mais si c'est juste me l'imposer parce que une petite minorité veut que maintenant les femmes dans les jeux vidéo soient moches, homosexuelles, ben non. Je suis désolé, mais non, ça ne m'intéresse pas. Même chose, le prochain Ghost of. Il y a une polémique autour du personnage. Alors, personnellement, que le personnage soit féminin, je m'en fous. Il y avait déjà des personnages, même si on ne les jouait pas, dans le premier Ghost of. C'est d'ailleurs un personnage féminin qui nous aide à devenir ce fantôme, et on croise d'autres personnages féminins, d'autres samouraïs féminins, bien que historiquement je sois quand même pas sûr qu'à l'époque la femme guerrière courait les rues. Mais voilà, ça ne me dérange pas de me proposer un personnage féminin. Ce qui me dérange, c'est plutôt l'actrice qui a été choisie, qui, ben voilà, qu'elle soit, qu'elle se considère son genre, c'est son droit, mais qu'elle crache son venin sur les gens qui ne pensent pas comme elle, là, ça me dérange. Et j'espère que cela ne se ressentira pas dans le jeu, mais je réfléchirai à deux fois avant d'acheter le prochain Ghost of, alors que c'est un jeu que j'attends depuis longtemps et j'espérais quelque part que le personnage soit féminin ou qu'on me laisse le choix de créer mon personnage comme je le voulais. Dans Cyberpunk, pour revenir à ce jeu, quand on crée son personnage, on peut choisir ce que l'on veut. Un homme, une femme, la taille du sexe, la taille de la poitrine, la pilosité, enfin, bref, on pouvait choisir ce qu'on voulait. Ça n'a pas, à mon sens, posé problème. Les polémiques qu'il y a eu autour de ce jeu étaient plutôt sur la qualité du jeu au moment de sa sortie. Et CD Projekt a largement relevé la barre dans ce jeu pour en faire finalement un très très bon jeu. Même chose, le prochain Assassin's Creed nous propose un personnage de couleur noire. Ben, ça ne me dérange absolument pas d'avoir à jouer ce personnage de Yakuza. Noir, puisque c'est un personnage qui historiquement a existé. On sait que c'est un esclave venu d'Afrique, arrivé au Japon
et qui serait devenu un samouraï. Alors, voilà, très bien, ça ne me dérange pas. Mais où ça risque de me déranger, c'est si ça devient juste un skin pour faire plaisir à une minorité. Même chose dans le jeu qu'on est en train de voir pour l'instant, hein, le prochain Dragon Age. Bon, déjà, les graphismes sont pas terribles. Comme vous pouvez le voir, les personnages sont franchement pas beaux. Et il y a une énorme polémique autour du créateur de personnages qui va nous permettre de créer notre personnage comme on le veut, du moment qu'il est moche. Le jeu Black Myth Wukong, pardon, a eu également une grosse polémique pour diverses raisons. Mais voilà, ce sont des jeux différents qui ont tous des polémiques autour d'eux parce que soit trop wokisme, ou soit parce que ça dérange justement les woke, parce que le jeu ne va pas dans ce sens. Si je prends les Assassin's Creed, c'est pas le premier, on peut jouer un homme ou une femme, voire les deux. Si on prend Odyssée, j'ai joué le personnage de Cassandra principalement. Si on prend l'avant-dernier, Valhalla, même chose, j'ai joué le personnage féminin. J'ai joué un petit peu avec le personnage masculin à chaque fois pour voir ben, s'il y avait des différences au niveau du lore. Que dans un jeu, comme je vous disais, on me propose un personnage noir, ok, pas de souci, je m'en fous. Dans Spider-Man, on me propose un personnage noir issu d'une minorité avec une mère hispanique, mais ok, ça colle au jeu. Ils exploitent cela de manière intelligente. Maintenant, dans le prochain Assassin's Creed, ok, on propose un personnage noir, pas de souci, franchement, mais est-ce que ça va être exploité? Est-ce qu'on va exploiter l'histoire de ce personnage alors qu'on romantise un petit peu ça ou qu'on comble des vides, même si on n'est pas sûr de certains éléments de manière historique, puisqu'ici, je rappelle, il s'agit d'un personnage qui a réellement existé, hein, c'est la première fois qu'on nous propose ça dans un Assassin's Creed. D'habitude, on croise des personnages historiques, ici on va jouer un personnage qui historiquement a existé, alors que dans le dernier Assassin's Creed, là, c'était l'inverse, on n'y croisait personne de connu, sans doute là aussi pour ne pas froisser certaines personnes. Et c'est ça un petit peu qui commence à me saouler, soyons francs, et qui commence, je pense, à peser énormément auprès des joueurs. Alors, ben voilà, des jeux comme Stairblade ou Wukong ont fait un carton plein. Wukong, je ne l'ai pas encore fait, pas du tout à cause des polémiques, simplement parce que je n'ai pas encore eu le loisir de m'y atteler. Mais Stellarblade, j'y ai joué longuement. Alors oui, le protagoniste est sexy. Bah ouais, bah tant mieux. En même temps, vu le nombre d'heures passées sur le jeu, bah, j'aime autant le passer avec un personnage sexy plutôt qu'avec un personnage qui est tout moche. Ben voilà, mais je ne m'identifie pas du tout à Adam, ni à Ève, ni à aucun autre personnage de ce jeu. Même chose lorsque je joue à Final Fantasy VII, je ne m'identifie pas plus à Zack que je ne vais m'identifier à un autre personnage. Et je n'ai aucun souci à jouer, que ce soit avec les personnages féminins ou que ce soit avec les personnages masculins, et ce, quelle que soit leur couleur de peau, je m'en fous royalement. Donc voilà, maintenant, ce qui me dérange, à nouveau, hein, il y a un jeu, le nom ne me revient plus en tête, un remake où on a modifié, donc là c'est un remake, un petit peu comme ici dans Final Fantasy, et où on
habille les personnages féminins parce que ça dérange que le personnage soit un petit peu dénudé. Alors parfois ça va, c'est fait de manière intelligente, mais d'autres fois c'est fait n'importe comment et la tenue du personnage en devient franchement très moche. Revenons au cas de Dragon Age. Ben voilà, vous allez pouvoir apparemment paramétrer un Buckland, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une chaîne de jeux vidéo, a fait un tester le jeu et a présenté il y a très peu de temps une vidéo où il parle justement du créateur de personnages. Et il le dit, on peut faire le personnage comme on veut du moment qu'il est moche. Alors qu'on veuille faire plaisir à tout le monde, c'est une chose, qu'on veuille que les gens puissent s'identifier au personnage, ok, très bien. Mais si on veut qu'une minorité de personnes puisse s'identifier, pourquoi empêcher la majorité de s'identifier au personnage? Si on met un créateur de personnage, c'est pour pouvoir créer le personnage comme on l'entend. Si j'ai envie de créer un personnage, un mec badass avec les tablettes de chocolat, c'est mon droit, comme c'est le droit d'un autre joueur de créer un personnage qui lui ressemble, qui est petit, gras du bit, chauffe, bon, si ça l'amuse, parce que il a envie de faire un joueur qui lui ressemble. Mais c'est mon droit aussi de faire un personnage qui me plaît. Si j'ai envie de faire un personnage féminin à forte poitrine, c'est mon droit, comme si j'ai envie de faire un mec badass, c'est mon droit. Moi, personnellement, je ne m'identifie pas du tout au personnage que je crée, je m'y attache, oui, si il est intéressant. Si son histoire est développée, c'est pour ça que j'adore les RPG d'origine japonaise, chinoise, parce que souvent dans ces jeux, il y a énormément de développement autour des personnages, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans les jeux européens, ou occidentaux en tout cas. Mais voilà, ça ne me dérange pas de jouer une femme. Et quand je crée un personnage sur Final Fantasy XIV, que je crée une femme Vira, je ne me sens pas pour autant être une femme à oreille de lapin. Pas du tout. Ce personnage, je l'ai créé comme ça, j'ai changé plusieurs fois son apparence, mais voilà, je ne me sens pas femme pour autant. Généralement, je choisis des personnages féminins justement parce que quand je joue, j'ai envie de m'évader, de faire autre chose que ce que je fais de ma journée, de penser à autre chose. Donc oui, si j'ai le choix, souvent je choisirai un personnage féminin et surtout dans les jeux asiatiques. Pourquoi ? Parce que les skins, les tenues sont généralement vachement mieux. Et comme je vous ai dit, je préfère passer 60, 80, 100 heures sur un jeu avec un personnage qui me plaît, qui visuellement est beau, plutôt qu'avec un personnage qui est moche. Alors, si en plus de ça, le jeu est pas terrible, le jeu m'impose une vision, m'impose une doctrine qui ne colle pas du tout à ce que forcément j'ai envie d'entendre ou de ce que je pense, ben voilà, ça me dérange. On proposerait un jeu qui prône le racisme, ça me dérangerait fortement. Ben même chose quand un jeu m'impose une vision wokiste du monde, cela en plus sans même essayer de le cacher, c'est encore pire. Alors certains jeux vont vous mettre des missions un petit peu pour rentrer dans ce moule, mais même chose, je ne sais plus dans quel jeu c'était, il y avait une mission où on doit aider un personnage, un PNJ, et au cours de la mission, 20 fois le PNJ qu'on aide nous rappelle
alors que c'est une femme, hein, que nous dit, voilà, il faut aider ma copine, elle insiste bien sur le « ma copine », pourquoi ben voilà, ce serait une femme qui demande de l'aide pour sauver son copain, on aurait eu droit, ben voilà, mon copain a un problème, vous pouvez l'aider. On l'aurait eu en début de mission, peut-être en fin de mission, merci d'avoir sauvé mon copain. Mais là, pendant toute la mission, toutes les deux minutes, c'est « Ah, il faut aider ma copine, ah, il faut aider ma copine », on nous impose, on nous le martèle, alors que ça n'a aucun intérêt. On fera la mission de toute façon qu'on doit sauver une femme, un homme, qui soit hétérosexuel ou homosexuel, beau ou moche, on s'en fout, c'est tout. Tu nous dis, il faut sauver ma copine qui est handicapée, moche ou que sais-je, ben ok, tu nous le dis une fois, mais ne le martèle pas toutes les 30 secondes pour faire plaisir à une minorité. Ben voilà, c'était un petit peu mon coup de gueule, mon ras-le-bol. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à laisser votre avis. Au revoir et merci.